joue un match contre Périgueux, qui sont les derniers du classement, une équipe super accrocheuse. Et on n'arrive pas à se dépêtrer de tout ce qu'ils nous ont préparé pour ce match-là. Ça fait 70 minutes qu'on joue à peu près, donc le score il est 12 à 8, c'est très serré encore. Donc, c'est un peu les conditions du moment. On est dans nos 22 mètres et on défend parce qu'on n'a pas le ballon depuis quelques minutes. Ils attaquent en bout d'aile et ils perdent un ballon, ils laissent tomber un ballon. Là, il y a Robin Solana qui est juste dans la zone, qui arrive à taper dedans et qui part en poursuite. Donc, il a la lutte avec trois joueurs de Périgueux et malgré tout, il a le bon rebond et le bon timing enfin, pour récupérer le ballon. Donc, il crée un point de fixation au niveau des 50 mètres. Et là, la balle sort vite, ce qui est essentiel au rugby et c'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire depuis le début du match, mais là vu que c'est un ballon de récupérer, tout va plus vite, les équipes n'ont pas le temps de se réorganiser. Ça sort vite, il y a une passe jusqu'à demi d'ouverture, je pense c'est Jérémy qui passe après à Cédric, qui se retrouve Cédric Cole qui se retrouve au milieu de terrain, il reste extérieur Mathieu Besson et moi. Et Cédric il voit que je suis démarqué, il m'envoie une longue passe qui est un peu courte pour moi, donc je la laisse rebondir. Mais on a déjà eu le temps d'anticiper, de voir qu'en face c'était que des joueurs plutôt des avants. Je crois qu'il y a le deuxième ligne, le 4, moi le 8. C'est une situation très favorable pour nous. Donc moi je sais qu'il faut mettre le plus possible de vitesse dès que le ballon. Donc je laisse rebondir le ballon et après j'essaie de mettre de la vitesse sur mon couloir, là, sur mon bout d'aile. Je sais que j'ai un joueur plutôt facile à déborder. Donc je prends le ballon et je me retrouve assez vite sur le côté du joueur qui vient pour me plaquer. Donc lui il se présente, il essaie de me plaquer en haut et voilà, j'essaie de mettre un raffut parce que c'est dans ces conditions où c'est le plus efficace, c'est le plus facile à faire parce qu'on est bien sur le côté comme ça. Il y a juste à le gêner et voilà, ça passe, il n'arrive pas à refermer son plaquage, il me relâche et c'est fait quoi, il n'y a plus qu'à courir. Et tu marques. Ça va laisser et ça fait du bien à tout le monde quoi. Le match il est tué sur ça quoi, alors que Périgueux pouvait encore espérer. Donc là, on va dire que tu es un peu le héros, mais c'était la deuxième fois du match, puisque justement avec ce numéro 4, en première mi-temps vers la 30e, là, tu l'empêches de filer à l'essai. Ouais, avec, on est à deux avec Lionel Gautry. Ah oui, bon, lui, il manque un peu son plaquage. Oui, mais c'est lui qui fait qu'il ralentit, le plus gros boulot parce qu'il rattrape de suite. Et moi, il est plus déséquilibré et j'ai plus qu'à finir le plaquage. Mais c'est vrai qu'il nous a surpris en plus, parce qu'on perd un ballon à un moment où on ne s'y attend pas du tout. On est en pleine attaque et tout. Il y a un abri qui va à une percussion, donc tout le monde est prêt à ce qui va se passer après dans la zone et il se fait arracher le ballon comme ça super rapidement et le ballon repart immédiatement dans l'autre sens, donc on est tous pris de court et là le ballon le 4 il est décalé, il part en bout d'aile, donc on est avec Lionel et en moins deuxième ligne ça court pas forcément trop vite et malgré tout lui il avait une bonne pointe de vitesse, donc on a eu beaucoup de temps à le rattraper et on s'est jeté les deux pour le faire tomber quoi. Il a fallu qu'on soit deux parce qu'il était en plus costaud, donc voilà, il y avait ça. Et le dernier, c'est quand j'ai tenté une interception aussi à 10 mètres de notre ligne. Un peu désespéré parce que si on fait pas ça, il y a essai pour eux. Malheureusement, l'interception est ratée, mais au moins l'essai est annihilé. Quoi. C'est vrai. Bon, finalement, c'était toi pour cette fois, c'était toi le héros du match, on va dire. Ouais, il n'y a pas de héros dans un match de rugby, mais il y a, des moments où c'est important. Et voilà, il faut. Il y a des petites actions très individuelles sur du moment qui passent cher au niveau des comptes finales. Donc ça arrive que ça soit comme ça avec sa souris, mais il y a des matchs où on les a ces actions et on n'y arrive pas et il manque un petit truc pour que soit en défense, soit en attaque, on puisse soit faire des choses positives pour son équipe. Voilà. Merci.